Bonjour à tous, c'est Alain, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons faire un crash test parce que nous allons essayer un truc qui est hyper tendance sur TikTok. En tout cas, c'est un peu les TikTokeuses qui sont là en train de se faire un tatouage avec du parfum et je me suis dit bah pourquoi pas l'essayer pour voir un peu ce que ça vaut. Alors vous savez très bien ma passion pour les parfums, du coup je me suis dit allez je vais vaguer un peu sur la tendance et on va voir un peu ce que ça va donner. Du coup je me suis muni d'une feuille que j'ai colorée, j'ai fait un petit cœur juste devant qu'on peut retrouver, c'est trop cute. Et également de mon parfum, donc c'est un parfum que je ne tiens pas à cœur, encore heureux, parce que vous allez voir comment je vais l'appliquer, et croyez-moi que ça fait mal au cœur, c'est un parfum luxe. En tout cas, une chose est claire, c'est que je vais essayer cette astuce qu'on peut un peu retrouver partout, et écoutez, j'espère que vous êtes ready, parce qu'on commence maintenant, c'est parti. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais vous emmener avec moi, et on va faire ce petit crash test ensemble, c'est parti, je vous prends avec moi. Alors, j'ai le cœur qui est colorié, j'ai également mon bras, et donc du coup, je vais me parfumer le bras, et après, je vais poser le petit cœur, et je vais reparfumer sur le cœur, donc sur le papier, la feuille de papier qui est juste là. Du coup, à l'aide de mon petit parfum, je vais commencer à vaporiser bien partout sur mon bras. On va voir un peu ce que ça donne. Donc maintenant, mon bras est bien humide, je vais venir prendre la feuille de papier, et je vais venir la coller sur mon bras. Comme ceci. Une fois que le papier est bien collé, je vais venir reprendre mon parfum et je vais l'humidifier. On va voir tout de suite si c'est un fail ou pas. Oh, ça coule. Bon, ça ne tient pas bien. Je vais quand même laisser attendre le temps que l'alcool se disperse, etc. pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà, donc l'alcool a eu le temps d'un peu se dissiper. Je vois déjà que c'est en train de baver un peu autour, donc c'est trop bizarre. Et donc du coup, maintenant, je vais retirer. On va voir maintenant si ça va me faire un petit tatouage ou pas. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. On va voir un peu le résultat. Wouhou! Et c'est officiellement un fail, les gars. Peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas mis assez longtemps. En tout cas, voilà, ça m'a laissé quand même une petite tache. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait une sorte de petit bleu. Mais une chose est claire, c'est que c'est un fail. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire encore un autre crash test. Mais cette fois-ci avec une page livre. Voilà, donc comme on peut le retrouver, j'ai pris une page de livre. Et donc du coup, je vais le mettre sur mon poignet. Je vais venir l'asperger d'alcool, enfin, ou plutôt de parfum. Je vais venir l'asperger de parfum sur mon poignet. Et donc du coup, juste maintenant, je vais venir appliquer la page. Bon, déjà ça tient pas. Et puis par-dessus, je vais venir appliquer du parfum. Je mets la dose. Hein. Cette fois-ci, je fais ce tatouage. Donc je vais venir bien le mettre partout. Bah, très sincèrement, en fait, le papier il est tellement épais que ça tient même pas. Je vais le tenir, je vais attendre 3 minutes. Je vais retirer délicatement la page. Hop là! Et c'est un deuxième fail, les gars. Deuxième fail. Bon, cette fois-ci, j'ai pris un tatouage autocollant pour voir maintenant si ça allait fonctionner avec du parfum. Donc, je retire la première bande adhésive. Et donc, du coup, je vais le placer sur mon bras. Hop là, comme ceci. Et maintenant, je vais venir mettre le parfum. Et je vais venir l'appuyer avec une éponge. À savoir que cette fois-ci, c'est un faux tatouage que je suis en train de placer. Je vais remettre un peu de parfum. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Bon, j'en mets vraiment bien partout. Je le tamponne pour être certain que ça accroche bien. Et donc maintenant, l'heure de vérité. Et c'est un double fail. Regardez-moi ça. Ça m'a laissé une trace. J'espère que ça va partir. Mais regardez, le tatouage, il n'a même pas collé. Pour vous dire à ce point-là.
Par contre, ça m'a laissé une trace, j'espère vraiment que ça va partir. En tout cas, une chose est claire, c'est que le crash test est fait et c'est un fail pour les trois tests. Voilà, donc du coup, vous avez vu un peu le crash test, vous avez vu comme quoi c'était pas le top du top, c'était absolument pas recommandé. En plus, ça, il y a des produits toxiques dans la page de lit parce que forcément, c'est fait avec de l'encre. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir présenté ce crash test. Ça m'a bien fait rire et je voulais absolument le tester. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner. C'est la première fois que vous me retrouvez. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et bien évidemment, passez une agréable semaine parfumée. Bye!